téléphone, j'ai pas le loyer payé, j'ai rien, j'ai payé, je sais pas. Et j'ai mon mari, qui s'est barré. Sans ses affaires, sans rien. Il m'a dit je te supprime de ma vie. Il m'a supprimé des contacts BBM. Le pire, c'est qu'il a même pas pris ses gosses pour leur dire bonne nuit. Ça fait trois semaines que les gosses ne l'ont pas vu et bon. Aucun cœur. C'est la fierté avant tout. Parce que j'ai dit à son père que. Il a dit à son père, j'ai dit devant son père au téléphone qu'il m'avait traité de connasse devant les enfants. Donc, j'en ai marre. Je l'ai dit fort et son père l'a entendu au téléphone. Oui, mais c'est normal avec des parents aussi tordus, il n'a pas supporté. Non, son père, il est grand. Son père, il est effacé. Tu sais ce qu'il est effacé. Il lui donne pas raison, là. Il lui donne pas raison du tout. Il lui donne pas raison, seulement il écoute pas son père. Il n'a jamais écouté son père. Il n'écoute personne, il fait ce qu'il veut. J'ai demandé de payer le loyer, la scolarité, il m'a fait un cinéma. Il m'a dit non, l'argent je le garde pour moi. Je paye pas, je fais ce que je veux avec mon argent. Oui, je te jure, il avait pas traité d'affaires, ça devrait rien foutre. Je suis pas dans le froid. Je devais sortir, un soir que je devais sortir, il m'a planté. Je pense qu'à lui, c'est pas possible. Je appelle ton avocat, t'attends quoi? Appelle-le demain matin, appelle-le. Je lui ai dit, je t'ai pas attendu pour la pute. Je sais pas comment ça va se passer, j'ai divorce, mais ça commence très mal, ça continue très mal, quoi. C'est trop ce qu'il veut, c'est trop ce qu'il veut. Il paye rien, il me donne pas l'argent. Moi déjà je souffre, mais j'imagine même pas les causes, c'est horrible. Il se couche comme ça avec des histoires. Il m'a dit devant les gars, je peux plus te voir en peinture, je peux plus supporter ton visage. Je sais pas ce qu'il a pour pas y rester avec moi. S'il m'aime pas, pour y rester avec moi. Je sais pas. Maintenant, il va me dire